Mais à la main? Il bouge pas lui donc il bouge pas donc j'imagine que je dois pousser le caddie. Ça me paraît pas logique. Capte pas en fait. Capte pas là. Pour moi, c'est un caillou qu'il faudrait, tu vois, mais. Pas d'habitude si j'ai des cailloux. Et si je pousse le truc, c'est pas logique. Il est de côté ou pas? Ah, il est de côté. D'accord. Tu vas me voir là? Ok. Retourne-toi, petit chocobo. J'aurais peut-être dû passer derrière. C'est bon. Et voilà les cailloux. Ça marche pas sur ça.
Hop, allez. Ah. Ah merde. On va y arriver, on va y arriver. Le problème c'est que là il va me voir si je passe. Faut attendre le timer, je pense. Pour être sûr. Retourne-toi. Je mets des cailloux là, c'est easy win. Et voilà. Voilà, c'est bien. Enchanté, Apony. C'est bon, on a le chocobo. On va pouvoir jouer. Jouissant du courage et de l'audace des créatures qui sont nées et ont grandi dans le canyon, les chocobos célestes sont capables de voler d'une vallée à une autre. Les rampes pour chocobos reconnaissables à leur symbole. Essayez de s'élancer dans les airs, vous pourrez ensuite rester en altitude grâce au générateur de courant d'air pour planer dans votre destination. Pardon. Allez. Yuffie, t'es pas malade à d'autres chocobos? Non, jamais, bizarrement. C'est un peu comme si je faisais qu'une avec le chocobo. C'est cool, non? Je vois. Je me demande bien quelle est la différence avec les engins de la Shinra. En étudiant les chocobos, ils pourraient régler le problème du mal des transports. Je pense que tu peux attendre longtemps. Oui, c'est clair. Alors, comment je peux aller là-bas? C'est vrai que je vole, mais si je vais là-bas, je n'irai pas là-bas. Du coup... que là je peux te sauter. Je dois me concentrer. Il n'est pas fini. Évidemment, au moment où je tac, il attaque.
Là, je peux pas aller en bas par là, donc je pense que le seul moyen, c'est la rampe que j'ai vue tout à l'heure. Avant ? Ah non ? Tu n'as qu'à monter à Pony pour te rendre au terrain d'entraînement. Elle te mènera à destination. Ah, faut que j'ai terrain d'entraînement avant. Tu peux lui faire confiance. Ça doit être ça. Terrain d'entraînement, c'est où ? Je peux pas prendre ça pour l'instant. Donc, comment je fais pour aller au terrain d'entraînement ? Cerceau de chocobo, vous chevauchez un chocobo céleste et planez à travers des anneaux de score jusqu'à la ligne d'arrivée au sol. Le but est d'obtenir le meilleur score possible, traverser un maximum d'anneaux et contrôler au mieux votre altitude avec les générateurs de courant d'air pour mettre toutes les chances de votre côté. Ok, let's go. On passe 3600. 3600, c'est easy. Merde, ça va rester plus sur R2. Faites comme si vous aviez rien vu. J'ai appuyé sur R2, j'avais pas capté. Je me suis dit c'est que pour le départ R2, mais non. Ça va être trop bien. Ok. Il y a un coffre là. Où là? Oh, oh, oh. C'est 3300 qu'il fallait avoir. On va pas avoir assez là. J'ai raté un circuit, je crois. Comment je fais là? 3600, c'est bon. C'est bon.
T'imagines pas que tu peux atteindre mon niveau comme ça. Tu penses vraiment que t'es faite pour ça? Réussis les autres exercices et on en reparle. Mais quoi la bouffonne là? J'accepte ton défi. Ça me fait pas peur. Allez au parcours suivant. C'est parti. Chocobo. J'ai eu un accident lors de ma dernière course. Je suis tombée d'aponie et quand je me suis retrouvée au sol, j'ai vu toutes ces pattes qui fonçaient sur moi à toute allure. Rien que d'y repenser, j'en ai des sueurs froides. Et la bouffonne. Laisse-moi tranquille. Ah vraiment? Dans ce cas, c'est moi qui vais continuer à monter à pony. T'as bien raison. Peut-être 1200, faut faire. Ok. Ok, attendez. Je prenais deux trucs à 300. Un peu bas. Ah merde! Pas compris? Faites comme si vous aviez rien vu! J'ai pas compris, on peut descendre et remonter et ça nous remonte plus haut? C'est parti! Pas compris en fait. Woohoo! Ascension. Descente. J'arrive pas à ça. Comment tu remontes en fait? Faites comme si vous aviez rien vu. Comment tu remontes? Ça va être trop bien. Je crois pas. Descendre comme un piqué d'un coup et remonter, mais même là j'ai essayé, j'ai pas réussi, donc je comprends pas. Pas réussi les gars, ça marche pas. Comment on fait? Je n'arrive pas, je n'y arrive pas les gars. Je comprends pas comment tu fais pour remonter. Est-ce qu'il faut lâcher R2? C'est parti.
On va tenter comme ça, regarde. Ok, bon. Mais ça met du temps pour remonter en fait. Ah ouais. Ouais, ça met beaucoup. En fait, tu dois descendre beaucoup, mais il faut remonter vite. C'est parti. En plus, c'était pas marqué le premier tuto. En fait, faut aller très bas et remonter très haut, mais. De toute façon, je tombe dans le vide en fait. Bon, on va refaire, on va voir. À quel moment je commence? À ce moment-là, logiquement, mais. Genre là. Ok. Là, pareil. Et ouais, en fait. Là, c'est encore plus dur, faut pour remonter. On est collé au sol. Pas évident, hein. C'est parti. Et ouais, faut descendre très bas. Et en fait, il y a une limite. À gauche, tu vois, c'est grisé. Pour remonter. Il faut appuyer longtemps. Faut descendre très longtemps pour remonter. Et du coup. C'est habitué au timing je pense, mais j'ai pas le timing. Faut juste regarder en bas quand ça soit plus brisé, voilà, mais bon. Ah, j'ai de la merde là. Je suis où? Ah. Rien. Trop bas là. Trop bas. J'en ai raté un parce qu'il y avait un truc qui volait. On a raté un, je crois. J'ai raté un petit duo. C'est de la merde, j'ai réussi ou pas? Oh, on s'est bien débrouillé. Non, j'ai pas eu l'avancée, je crois. Facilement pu faire beaucoup mieux. Apony ne t'obéira pas si tu la forces, tu sais. Tu dois te mettre d'accord okay. Avec elle avant un saut. Il faut que vous décidiez ensemble d'atteindre l'objectif. Ah ouais? Et tu voudrais pas me montrer l'exemple? En montant à Pony toi-même? Ah, c'est comme ça. J'en ai assez, je m'en vais. On casse-toi la bouffonne. Oh, c'était pas la bonne approche, on dirait. Oh. Oui, c'est bon, je sais. Désolée. Viens, on doit rattraper Shani. Non, je dois. Ah, non. Je vais faire le score maximal. Donc j'ai pas fait le score maximal. Nous ne partons pas. Je dois faire 7200. Donc le troisième parcours, je pense qu'il sera plus dur. On a raté un ou pas? Il y en a un qui est très bas, d'accord. Ah oui, d'accord. Celui que j'ai raté. Il y en a même plusieurs que j'ai raté.
Non. Oh bah. Quand je remonte, en fait, j'arrive. Comme je vois pas la caméra, j'ai du mal à me positionner. Mais ok. J'ai capté. Pas trop mal. Ah, tu vois. Oh, ça m'a. Oh, ça. Et voilà le travail. Ça reste trop bas. Peut-être je remonte pas assez, je pense. Ça va je remonte pas bien. Assez. C'est long hein, à part la phase 1 on la maîtrise, mais c'est la phase 2 que je galère. Il y a un scorpion de zinzin là, à côté de la montagne. Non, je vais péter un câble. Non, c'est trop là. Non, c'est trop. Oh, c'est trop. Et voilà le travail. C'est le dernier. Ça va être trop bien. Bordel à cul. C'était limite là. Et je vais péter un câble. Ok, quand je remonte, faut que j'aille à droite. C'est parti. Quand je remonte, faut que j'aille à droite. C'est pas si facile que ça, parce que quand tu descends trop, tu perds en vitesse et tu peux plus remonter.
Des fois je peux faire ça et des fois je peux pas remonter. Bon, c'est un peu cadeau. On va y arriver, vous inquiétez pas. Yes, ça m'entraîne pour les suivants. Donc c'est pas mal. Là c'est compliqué niveau altitude. Non. Une vraie pro. J'étais trop bas pour la fin. Le problème c'est qu'en fait, mon problème c'est que le joystick droit, ça gère aussi la latitude. Si le joystick droit pouvait gérer la caméra, ça l'arrangerait. Et je verrais là où je vais. Mais le problème c'est que le joystick gauche et le joystick droit font la même chose. Et ça c'est chiant. J'aimerais bien que le joystick droit soit pour la caméra, ce serait tellement plus simple. Je verrai où je verrai ce qu'il y a en face. Je suis un peu bas là. Tu vois, je veux rien voir ce qu'il y a en bas, mais je peux pas. Là, je vois pas ce qu'il y a en bas. C'est bon. Je sais pas si c'est réglé dans les options. Ça m'arrangerait de fou. Regardez si c'est pas égal dans les options. Item, réglage, caméra. Ah bah je sais pas où je peux faire ça, je crois pas qu'il y ait. Hein. Non, ça me paraît complexe. Je pense pas grave, on fera 100. Hein. On fera sans les potes. D'où le parcours suivant. Mais pourquoi tu continues à me suivre? Aïe. Laisse-moi tranquille, je peux plus te monter. Pony, je peux pas. Je suis désolée. Mais si tu peux. Regarde-nous bien. Pony et moi, on va faire un parcours sans faute. Comme ça, t'auras la preuve que c'est le meilleur de tous les chocobos. Yeah. C'est parti. J'ai dit c'est parti. 9600. De façon, 9600, ça veut dire que je fais un sans faute. Donc dans tous les cas. Pour rater aucun truc, il faut connaître le parcours aussi. Ok. Alors ça commence bien déjà. Ok d'accord, allez. Hop. C'est parti. Wouhou.
j'attende que les trucs soient au milieu avant de sauter. Prends pas. Ça va être trop bien. C'est chiant, c'est ça. Hein. Bon, j'en prends qu'un seul, tant pis. Hein. Ah. Bon, je connais pas le parcours pour l'instant. Ok. Je pense qu'il y a moyen de prendre les deux au milieu si j'attends qu'ils soient à la gauche. À gauche et je saute, je pense que c'est bon. Trop tard. Trop tard, trop tard. Rien que le départ, il est horrible. Il faut que j'attende que ça repasse vers le bas. Donc, tu vois, quand c'est en haut, c'est pas mal en vrai. Non. J'ai pas le timing. J'ai pas le timing du tout. Ça va être trop bien. Cassé, le pire c'est que ça c'est que le début. Après à la suite. C'est parti. Ah, j'aimerais bien voir ce qu'il y a en dessous, mais je peux pas. Non. Oui. Allez, où ça chie. Une vraie pro. C'est trop dur celui-là. Vous avez vu ça? Même moi j'ai réussi. C'est uniquement grâce à Apony. Alors, elle est vraiment douée, non? Évidemment qu'elle est douée. Si tu as quelque chose à dire. On t'écoute. Le jour de l'accident, j'étais trop confiante. Et j'ai relâché mon attention. J'étais sûre de gagner. Pendant la course, je réfléchissais à ce que j'allais m'acheter grâce à l'argent de la victoire. À cause de ça, à l'entrée du dernier virage, j'étais plus en phase avec Apony. J'ai perdu l'équilibre. Et je suis tombée. Apony s'est mise devant moi pour me protéger. Et du coup,
Elle aussi a été blessée. J'ai trop peur de refaire la même erreur. Ça me paralyse. Non, je ne peux plus te monter. Tu comprends le chocobo, toi, Cloud? Traduis, s'il te plaît. Hein? C'était... un terrible accident. Et carrément. Toutefois, à mon avis, il y a des leçons à tirer de cet accident. Faisons en sorte de ne pas répéter la même erreur, aussi bien l'une que l'autre. Dépêche-toi d'aller mieux, Shani. J'aime courir avec toi. Tu vois? Apony. De bonnes mains. Je vous fais confiance. Maman, pardonne-moi. Je vais redoubler d'efforts, c'est promis. Ah, voilà ce que je voulais entendre. Dès que je serai guérie, tu te mesureras à moi. Que la bouffe. Mais avec grand plaisir. Bon, on essaie trois fois. Je vais pas vous prendre en otage avec ce truc. On essaie trois fois. Si j'y arrive pas, bah je le ferai hors live, je pense, ou je sais pas. Ça va être trop bien. Là, tu vois, rien qu'avec ça, je sais pas si j'ai déjà perdu. Si je rate le 1000 au début, est-ce que j'ai perdu? Ok, pour l'instant ça va à peu près correctement. Là je fais de la merde à chaque fois. Pas aller assez haut là. Donc là c'était... Là il y avait 1000 en plus, ça fait 8800. Je crois qu'il faut le début hein, sinon ça marche pas. Hein. Si j'ai pas le début, c'est mort en fait. J'ai compris le début. Ça va le faire en vrai. On va pouvoir le faire. Je suis en confiance là.
limite là. Ok. C'est que j'arrive pas, c'est la fin. Sur un pixel de réussir. Il y a un pixel de réussir et c'est la fin que je galère. Ok. Je pense qu'on va y arriver. Ça va être trop bien. Au début j'ai mon repère déjà. Je dis ça et j'ai fait un très mauvais début. Ça va. De ce côté, c'est plus simple de l'autre côté. C'est de la merde. Ok. Possible. Ah, c'est tellement dur. Tellement dur la fin. C'est parti. Bon, décidé, je vais y arriver. Désolé, mais... Ah, j'ai raté le début. C'est derrière le cerceau. La caméra, elle en peut plus, elle va exploser. Là c'est mieux, là c'est mieux à droite, tu vois.
Je pense que c'est bon. Et voilà le travail. Ouf, c'est pas évident, hein. Mais ça a été maîtrisé par le joueur FR. Est-ce que du coup je peux enfin sauter ou pas? Et pourquoi je peux pas? Je comprends pas. Je peux pas sauter. C'est là. Ah, mes scorpions. Oh, l'annonciateur de calamité. Okay. Il est immunisé. Il est immunisé au physique. Ça va te calmer. Leur infliger une certaine quantité de dégâts de glace les fragilisera, les rendant plus faibles aux attaques physiques, résistant à l'attaque magique. Enchaîner avec une attaque de feu les rendra vulnérables. Ok. Je mets le feu, il me pousse dehors. Putain. Oh. Et lui, évidemment, il a pas de feu. Par contre, j'ai ça. Ah bah ça, on va recommencer le combat. Ça a pu là, ça a pu. On sait jamais.
Voilà. C'est plus beau maintenant. Prenez les photos depuis les mêmes endroits que dans les annales des mémoires. Appuyez sur gauche pour consulter les dernières dans vos notes et sur L1 pour zoomer dessus. Appuyez sur haut pour permettre d'utiliser le célestographe afin de faciliter au mieux les recherches des planétologues. Il est conseillé d'obtenir un degré de similitude de la composition de 80%. N'hésitez donc pas à tester les divers angles. Ah, vite, une photo. Ah ouais. Bah ici, je suis presque ici. Est-ce que c'est dur ça aussi là? C'est impossible. T'es sûr d'avoir regardé les photos originales? Je suis à 73% là. 14, 75. Ça trigger, cette quête aussi elle me trigger, je sens. Ah. Ça ressemble pas du tout à la photo pour moi, cette mais. Photo est parfaite. Ben dis donc, on dirait que t'as la fibre artistique en fait. Allons voir à un autre endroit. Ok, ici c'est fait.